Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins campèrent à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Eli, Hophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de l'Éternel, de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tombe. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Eli, Hophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme va apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Hophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari,
Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » 1 Samuel chapter 5, from verse 1. After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Then they carried the ark into Dagon's temple and set it beside Dagon. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon, falling on his face on the ground before the ark of the Lord. They took Dagon and put him back in his place. But the following morning, when they rose, there was Dagon, falling on his face on the ground before the ark of the Lord. His head and hands had been broken off and were lying on the threshold, only his body remained. That is why to this day, neither the priests of Dagon nor any others who enter Dagon's temple at Ashdod stand on the threshold. The Lord's hand was heavy upon the people of Ashdod and his vicinity. He brought devastation upon them and afflicted them with tumors. When the men of Ashdod saw what was happening, they said, "The ark of God, the God of Israel, must not stay here with us, because his hand is heavy upon us and upon Dagon, our God." So they called together all the rulers of the Philistines and asked them, "What shall we do with the ark of the God of Israel?" They answered, "Have the ark of the God of Israel moved to Gath." So they moved the ark of the God of Israel. But after they had removed it, the Lord's hand was against that city, throwing it into a great panic. He afflicted the people of the city, both young and old, with an outbreak of tumors. So they sent the ark of God to Ekron. As the ark of God was entering Ekron, the people of Ekron cried out, "They have brought the ark of God, of the God of Israel, round to us to kill us and our people." So they called together all the rulers of the Philistines and said, "Send the ark of God of Israel away. Let it go back to its own place, or it will kill us and our people." For death had filled the city with panic. God's hand was very heavy upon it. Those who did not die were afflicted with tumors, and the outcry of the city went up to heaven. Praise the Lord. Amen. Samuel 6. L'ange de l'Éternel fut 5 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'ange de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à son lieu. » Ils répondirent, « Si vous renvoyez l'ange du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à Dilit, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main n'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous ?» Il répondit, « 5 humains d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être sera-t-il d'apesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon endurcit leur cœur? N'exercez-vous pas ce châtiment sur eux, et ne laissez-vous pas alors passer les enfants d'Israël? Maintenant, faites un chat tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaient et qui n'aient point porté le joug, attelez les vaches au chat et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la faites.
chat, vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrant pour le péché, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches à l'été et les appelèrent au chat, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le chat l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allaient derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnèrent les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le chat arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du chat et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent à ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les saints princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrant pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux cinq chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'ange doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jearim pour leur dire, les Philistins ont ramené l'ange de l'Éternel, descendez et faites la montée vers vous. Gloire à Dieu. Amen. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. When he mentioned the ark of God, and he fell backward on his chair by the side of the gate. His neck was broken and he died. For he was an old man and he was heavy. He had left Israel 40 years. Amen. Amen. Ce qui m'a touché, c'est l'attitude d'Élie vis-à-vis de l'âge de l'Éternel. What I'm talking was Eli and his heart's attitude towards the word of God. Élie était un sacrificateur qui avait déjà rétrogradé. He was a high priest, he was a backslider. Sa relation, on voit ses enfants, his children as immoralité dans le temps, the immorality, ne les a même pas reprimandés comme il faut. He didn't rebuke them. Oh my children, what are you doing? What you're doing is not good. What I hear about you. Il ne s'est pas levé. He didn't reprimander them to rebuke them with vigor. Ça c'est déjà un signe de régression. That was already a sign that was a failure. Il était supposé protéger. La sainteté, it was his responsibility to watch over the holiness. Mais
Dans ce passage, passage, quand la nouvelle arrive, when the news que l'arche de l'Éternel a été prise, il est totalement renversé. He was totally, he was overthrown. La personne qui a apporté la nouvelle, the person who brought the news, au verset 17, in verse 17, et celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, et Israël a fui devant les Philistins. The man who brought the news replied, Israel fled before the Philistines. Cette nouvelle, là, c'était pas trop grave. Was, as far as Eli il, was a, il a écouté, il a venu. Deuxième nouvelle, le peuple a éprouvé une grande défaite. The army suffered heavy losses. Il a supporté ça. He also bore that. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Also your two sons, Ophni and Phinehas, are dead. Et même ce décès-là, il l'a supporté. He could still bear it. Et quand l'arche de Dieu est prise, and when the ark of the Lord has been taken, à peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, when the mention of l'arche de Dieu, the ark of God, Élie est tombé à la renverse. Élie fell back. Parce que son cœur était attaché à l'arche de Dieu. Il est apte. Il se souciait de sa même transgression. About the ark of the Lord, in spite of his backsliding condition. De sorte que c'est ça qui a complètement mis chaos. And that's what really knocked him out. C'était comme si il voyait parce que il, en tant que souverain sacrificateur, as il voyait high que priest, quand, si l'arche de Dieu part, était apte. C'est comme si toute sa vie a échoué. That is his life had failed. Il est juste tombé, il est mort. He just fell and he died. J'ai demandé au Seigneur, I asked de me donner une attitude, I asked the Lord to give me a heart attitude, de profond attachement à de profond intérêt and deep interest à ces choses. With respect to God. Si j'entends une nouvelle, so if I hear any news, quelque chose qui, anything qui déshonore le Seigneur, that dishonors the name of the Lord, soit dans la vie d'un de mes disciples, d'un étudiant, d'un ministre, d'un autre œuvre, in a work as a whole, que ce soit comme si je vais tomber évanoui, let it affect me so that this part just fall down and faint. Tellement je suis concerné. That is, I'll be so concerned about what happens. Ce ne soit pas que j'entends, bon, je dis, ah, vraiment. So that I imagine I say, oh, really, he also. Ou bien, soit accusé. Is that accusing the person? Critiqué. Or criticize. Mais que je sois comme lui. So that. That vis-à-vis des intérêts. Respect the interests of God. My heart attitude. Cela s'est manifesté aussi pour sa belle-fille. The same thing goes for his daughter-in-law. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. His daughter-in-law, the wife of Phinehas, was pregnant and near the time of delivery. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, when she heard the news that the ark of God had been captured, de la mort de son beau-père, and that her father-in-law, et de celle de son mari, and her husband were dead, vous voyez que ces trois choses, on les a citées dans un autre ordre ici. In this case, the three things were presented in a different order. Ça doit représenter la valeur de ces choses pour elle. It represents the value she gives to each of these three things or persons. L'arche de Dieu, the ark of the Lord. Ensuite, la mort de son beau-père, the death of her father-in-law. La mort de son mari venait en dernier. And the death of her husband was the third. Donc, c'était même pas trop grave. Pour d'autres personnes, ça aurait été d'abord la mort de son mari. For others, that affected the most. C'est ça qui devait le plus affecter. Because that's what would have affected them the most. Elle devait être une fille spirituelle. She must have been spiritual. C'est d'abord l'arche de Dieu. Because that's the ark of the Lord. Ensuite, la mort de son beau-père, qui représentait Dieu. The death of her father-in-law. Or who presented God to her, et celle de son mari en dernier, her husband, et c'est le même pour accoucher, parce que j'ai voulu la surprise, because labor pays sort of on her suddenly. Une fois de plus, un cœur attaché à Dieu et aux choses de Dieu. A heart, once more in our example, a heart that is attached to God and to the things of God. Gloire à Dieu. Amen. C'était par rapport au chapitre 4. That is with respect to the chapter 4. I just wanted to make a statement. Je voulais dire quelque chose. This lady, even the name she gave, she called the child, she said, verse 22. Cette femme, même le nom qu'elle a donné à son fils qui est né, verset 22, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. I consider this headquarters. Je considère ce quartier général dans cette ville. À qui appartient-il? Garoua. In the dormitories,
where some of the sisters live down there. Dans les dortoirs où certaines des sœurs habitent là en bas. I entered there to see Ernestine's elder sister come to see her because she was involved in a car accident. Et je suis entrée là-bas pour voir la grande sœur d'Ernestine qui est venue la voir parce qu'elle a eu un accident. Two beds or three beds were broken. Deux ou trois lits étaient cassés. I said, whose bed is this? J'ai demandé, ça c'est le lit de qui? C'est this person. On a dit, c'est le lit de telle. She's gotten married. Elle s'est mariée. A believer who made a bed in a good state. Une croyante qui a trouvé un lit en bon état. Then by the time she leaves, the bed is broken. Et au moment où elle part de là, le lit s'est cassé. And she goes away. Et elle s'en va. Her heart will never be attached to God. Son cœur ne sera jamais attaché aux choses de Dieu. Whose bed is this? J'ai aussi demandé, ça c'est le lit de qui? Is this other person's bed? On a dit, c'est le lit de tel autre. The person has moved out of the dormitory. La personne a déjà déménagé du dortoir. The bed is broken. Mais elle a laissé le lit cassé. A bed on which she has slept for about a year or two. Un lit sur lequel elle a dormi pendant environ un an ou deux. It doesn't belong to God. Ça n'appartient pas. I mean, à personne. You cultivate your heart to be attached to God. Tu vas cultiver ton cœur pour qu'il s'attache à Dieu. If you can be careless with the things that are within your environment. Si tu peux être négligent ou négligente vis-à-vis des choses qui sont là autour de toi, don't be deceived. Ne te trompe pas, détrompe-toi. Never cause your heart to be attached to things that you think are more important. Dieu ne va jamais faire que ton cœur s'attache aux choses que tu crois plus importantes. Because the law falls. Parce que la loi demeure. He who is faithful in little. Selon laquelle celui qui est fidèle dans les petites choses will be faithful in little. Le sera dans les grandes. Is that not true? Est-ce que ce n'est pas vrai? A child whom you give 1,000 to do some shopping, he buys 150 remains, he doesn't give you. Un enfant à qui tu donnes 1000 francs pour qu'il fasse une course, il va, il fait la course, il reste 150 francs de monnaie. Il ne vient pas te remettre cet argent. He doesn't explain. Il ne t'explique pas. He doesn't say, oh, there's 150 francs that I'm going to use it. He just. Il ne te dit même pas. Il reste 150 francs. Je voudrais utiliser ça. Et il va juste utiliser. That's a thief. Ça c'est un voleur. Give him 10,000. Si on lui donne 10,000 francs, he will still steal. Il va voler. Give him 100,000. Donc si on lui donne 100,000 francs, give him 1,000,000. Il va voler. Si on lui donne 1,000,000, his heart has not changed. Son cœur n'a pas changé. You are responsible to cultivate your heart. Tu es responsable pour cultiver ton cœur. If you expect a miracle to happen one day, si tu t'attends à ce que ce soit un miracle qui va se passer un jour, you are totally mistaken. Tu te trompes totalement. These beds were bought and put in the dormitories. Ces lits ont été achetés, ils ont été placés dans les dortoirs. You sleep on it. Tu dors dessus. It is broken. Et ça se casse. And you go away. Et tu pars. Or even the dormitories down there. Même les dortoirs en bas. It's embarrassing that we have to keep shouting the bread. Let's keep the places clean. Let's keep the places clean. Dans le dortoir, le nouveau dortoir. C'est embarrassant de devoir dire aux frères chaque fois qu'un cours est fini, s'il vous plaît, faisons le ménage, nettoyez votre salle et vos toilettes. Ça appartient à qui? Who is the servant here? Qui est le serviteur ici? Who receives the glory? Qui reçoit la gloire? Is it God's thing? Est-ce que c'est la chose Even de Dieu? In your locality. Même dans ta localité. What's the attitude to the lights in the whatever the building where the brethren live? Quelle est ton attitude vis-à-vis des ampoules dans le bâtiment que les frères utilisent pour les réunions? Est-ce que tu peux voir ça allumé et tu passes, tu continues ta route? It's a heart attitude towards God. C'est une attitude de cœur vis-à-vis de you Dieu. Have to cultivate. Il faut la cultiver. This thing belongs to God. Tu dois te dire, cette chose appartient à Dieu. It is my father's thing. C'est la chose de mon père. I'll take care of it. Je vais m'en occuper. Many of the sisters who pray the prayer center are here. Plusieurs des sœurs qui prient au centre de prière sont ici. Oh, a number of them. Un certain nombre tout au moins. It belongs to who? Le centre de prière appartient à qui? What is your attitude? Quelle est ton attitude? Must the leader of the center carry a cane behind you to strike you and encourage you and motivate you? Est-ce que la dirigeant du centre doit prendre un bâton, courir après toi, te taper dessus ou t'encourager, te motiver pour faire telle ou telle chose? Ça appartient à qui? When you know
that it is God's will. Quand tu sais intérieurement que ça c'est la chose de Dieu, you attach your heart to God through it. Because when God sees the way you handle these things, He knows how your heart is attached. Tu vas attacher ton cœur à Dieu à travers la manière dont tu vas traiter cela. Parce que quand Dieu va voir comment tu traites ça, il va savoir que tu le prends au sérieux. Let's, if not, we're just the utterance. Recite good spiritual empty phrases. Sinon, nous pouvons réciter de bonnes phrases spirituelles, mais vides. Because it's not backed by life. Parce que non soutenu par la vie. We must attach our hearts to God, and our hearts to be attached to God's things. When we use your life, we attach our heart to God's things, and God will ensure that our hearts. Nous devons attacher nos cœurs à Dieu en attachant nos cœurs aux choses de Dieu, ou bien attacher nos cœurs aux choses de Dieu, et Dieu saura que nous sommes attachés à lui. We are going through a test every day. Nous sommes chaque jour en train de passer un test. Every day. Chaque jour. And your heart is outside. Et ton cœur est à l'extérieur. The things that you do. À travers les choses que tu fais. They testify. Ces choses rendent témoignage. On n'a même pas besoin que quelqu'un vienne regarder. Your heart is outside. Ton cœur est the things you do à l'extérieur. Are not errors. Les choses que tu fais ne sont pas des erreurs. They are the overflow of inward heart's attitude. Elles sont le débordement d'une attitude intérieure qui coule vers l'extérieur. If you are the one in charge of the tithes and offerings. Si c'est toi qui as la charge des dîmes et des offrandes. To buy the bread and the wine. Ou bien c'est toi qui es responsable d'acheter le pain et le vin pour la fraction du pain. Then you make sure that you have the maximum expenditures. Tu t'assures. You spend the maximum that you want to. That is, you spend healing. Et some people buy the bread that will cost 500 francs for a loaf instead of one that will cost 150. Because it's not their money. Tu t'assures d'acheter le pain qui est cher. Certaines personnes achètent un pain à 500 francs, un pain, alors que d'autres achètent un pain à 150 francs parce que ce n'est pas leur argent. C'est ton cœur. If you treat your own money that way, si tu traites ton propre argent de cette manière, il n'y a pas de problème. Or there might be a problem. Ou bien il faut avoir un problème. God is saying things in more economic. God is telling you, if you are naturally the world, a spendthrift. Si dans le monde tu étais naturellement une dépensière, then you come to the door. Et tu viens au Seigneur. Whether it's your money or your love for you, so spending. Que ce soit ton argent personnel ou l'argent du Seigneur, tu continues à dépenser de façon irréfléchie. God is telling you, your heart is one. Whether it's your money or my own, we are. Dieu peut te dire que ton cœur est un, parce que ce soit ton argent personnel ou l'argent du Seigneur, tu as toujours tendance à être dépensière, à beaucoup dépenser. My dear daughter, reduce. Ma chère fille, réduis les dépenses. I don't believe in waste. Je ne suis pas pour le gaspillage. But if you have that double heart. Mais si tu as plutôt un cœur double, c'est-à-dire quand c'est ton argent, tu dépenses, tu calcules bien, tu économises. Mais quand c'est l'argent du Seigneur, tu dépenses sans réfléchir. Alors tu as mis la peur. Tu n'as même pas besoin d'une autre révélation. Voilà comment on cultive le cœur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des choses de Dieu. Gloire à Dieu. L'autre chose qui m'a touchée, c'était le chapitre, that touched me, au chapitre 5, chapter 5, les versets 3 et 4. Verses 3 and 4. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Verses 3 and 4, verses 3 and 4. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon, falling on his face on the ground before the ark of the Lord. They took Dagon and put him back in his place. But the following morning when they rose, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. His head and hands had been broken off and were lying on the threshold. Only his body remained. Et ce qui m'a frappé ici, what touched me?
C'est la dévotion des Ashdodiens à leur dieu Dagon. Was the devotion of the people of Ashdod to their god Dagon? Il est écrit que le lendemain, les Ashdodiens qui s'étaient levés de bon matin. It is written that when the people of Ashdod rose early the next day, ils avaient trouvé Dagon étendu la face contre terre. Then there was Dagon fallen on his face on the ground. Vous pensez qu'ils étaient allés tôt le matin vers Dagon pour faire quoi si ce n'est de l'adorer? What do you think they would rose early to go to Dagon's temple for? They went there to worship him. Ils sont allés tôt le matin. They went early to worship Dagon. Tôt le matin. Early in the morning. Ils l'ont trouvé étendu la face contre terre. They found him falling his face devant l'arche de l'Éternel. Before the ark of the Lord. Ils l'ont pris, ils l'ont remis en place. They took him and put him on his face. Ils l'ont remis en place. They put him back in his place. Malgré le fait que c'était évident que Dagon était un faux dieu, in spite of the fact that Dagon was a false god, et que parce qu'ils ont mis l'arche à côté de Dagon et they put the ark in the same place as Dagon, et Dagon a dû se prosterner devant l'arche, so it was obvious that Dagon had fallen. Au lieu de se détourner alors de ce Dagon, so instead of turning away from Dagon to come to this, ils ont continué leur fidélité à Dagon. They continued their faithfulness to Dagon. Verse 4. Le verset 4. Le lendemain encore, the next day again, c'était levé de bon matin, they got up early. Ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. And they found Dagon. Ils sont encore revenus tôt le matin. And they came again early in the morning to worship the same Dagon. Et ils l'ont encore trouvé démembré. And they found him his men, limbs cut off. Mais ils étaient fidèles à leur Dieu. But they were faithful to God. Ils lui consacraient les premières heures. They were consecrated to the first hour, the early hours. I was deeply touched by that. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Three people want to pray, should pray. Trois personnes qui veulent prier, qu'elles prient. That I will be faithful to God. That I will be devoted to God. That I will be the true worship of the Lord. I plead in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. That even when times are hard, when things are difficult, they will not affect or influence my faithfulness to you. I beg you in the name of Jesus Christ. Oh God, that I will be faithful. Even as these people were faithful to their false God, that I will be faithful to the true God. I beg you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, let me share what I have also received. Je vais aussi partager ce que j'ai reçu. In chapter 4. Au chapitre 4. Verse 3. Le verset 3. When the soldiers returned to camp, the elders of Israel asked, "Why did the Lord bring defeat on us today, before the Philistines? Let us bring the ark of the Lord's covenant from Shiloh, so that he may go with us and save us from the hand of our enemies." Le verset 3, chapitre 4. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Shiloh l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Praise the Lord. I saw the arrogance of those who are supposed to know God. J'ai vu là l'arrogance de ceux qui sont supposés connaître. Those who know the history of God's move. Ceux qui connaissent l'histoire du règne de Dieu. When we were coming out of Egypt, the ark went ahead of us. Oh, quand nous sortions de l'Égypte, l'arche nous a dévancé. Voici comment nous avons eu telle victoire et telle autre victoire. No, see, the problem is we didn't take the ark. Le problème c'est que nous n'avons pas pris l'arche. That's what the problem is. C'est ça certainement. Just let's take the ark. Okay. Allons avec la voix à notre chef. Notre Dieu n'a pas changé. Amen. Elders, des anciens, backsliders, des rétrogrades. They didn't realize. Ils n'avaient pas réalisé that it was a relationship with God that was important. Que c'était la relation avec Dieu qui était importante. These same elders were there. They saw all the evil that was happening. Ces mêmes anciens étaient là. Ils avaient vu toutes les mauvaises choses qui se passaient. Et Dieu leur a donné un symbole de Dieu. Ça les a permis de voir God's presence without
caring about God's presence. Ils avaient un symbole de la présence de Dieu, c'est-à-dire là, sans se soucier de la présence effective de Dieu. They didn't see God. Ils n'ont même pas cherché Dieu. They said God. Pour dire, oh Dieu, something terrible has happened. Quelque chose de terrible est arrivé. Your people have been defeated. Ton peuple a été vaincu. What have we done wrong? Qu'est-ce que nous avons fait de la présomption, their pride? Mais par présomption dans leur orgueil. They know just what should happen. Ils savaient dans le fils ce qu'ils devaient faire. Now, just we'll just take the ark. Nous allons juste prendre l'arche. We'll go with it. Et nous allons partir avec. Comme c'est les livres qui sont supposés porter. Ok, les fils de Phinée, venez. Carry it. Portez les soldats. Les soldats, levez-nous, allons-y. 4,000 people died. 4,000 personnes sont mortes. The next time, 30,000. La deuxième fois, 30,000. Les péchés des dirigeants sont très lourds. Surtout les dirigeants qui ont abandonné. But they still have the doctrine. Mais qui continuent à avoir la doctrine of what God did in the de ce que tu avais fait. Ça, c'est l'avertissement qui est adressé à ceux qui sont en train de vivre dans le Seigneur. A tender heart towards God. Ils ont abandonné un cœur tendre vis-à-vis de Dieu. They've abandoned watching about the interests of God. Ils ont abandonné le fait de veiller sur les intérêts de Dieu. They are happy when they deliver. Brother, what should we do? Sister, what should we do? Ils sont contents quand les frères viennent dire, ah, frère, qu'est-ce qu'on va faire? Sœur, qu'est-ce qu'on va faire? Tu te sens très spirituel parce qu'on t'a reçu. Et tu ouvres juste la bouche en désordre, tu commences à dire tout ce qui sort. You cause the death of 30,000 people. Et tu causes la mort de 30,000 personnes. The sins of the leaders are very heavy. Les péchés des dirigeants sont très lourds. When they stop walking with God. Lorsque ceux-ci cessent de marcher avec Dieu. They become administrators. Ils deviennent des administrateurs. They just told them what to do. They have the answer. Ils leur ont juste dit quoi faire. Ils savaient quoi just faire. Just like what the brother was telling us yesterday. Tout comme ce que le frère Théodore nous disait that, hier. You may have done it so often that you know que you know how to do it. C'est-à-dire tu peux avoir fait les choses tellement si souvent que d'office tu sais comment faire. Une fois que personne speak, you have the answer. Avant qu'une personne ne parle, tu as déjà la réponse à son just problème. Ils ont dit, prenons juste l'arche. 4,000 died the first time. Et 4,000 personnes sont mortes la première fois. Si ces gens se souciaient même, après la mort de ces 4,000, ils seraient allés devant Dieu s'ils étaient de vrais anciens. You know, something I learned from David's life. Quelque chose que j'ai appris de la vie de David. Unless I'm mistaken, à moins que je me trompe. The only Israelite whom David ever killed was Uriah. In English, the husband of Bathsheba. Le mari de Bathsheba. Le seul Israélite que David a tué, c'était Uriah. Go through the Bible, maybe I'm mistaken. Partout toute la Bible, peut-être que je me trompe. He was jealous about the people of God. Il cherchait jalousement le peuple de Dieu. Il était le berger d'Israël. Saul, même Saül, il ne l'a pas tué. I mean, if you're an eliminated Goliath. Si David a pu éliminer Goliath, où est Saul? Qui était Saül? He didn't kill an Israelite. Il n'a pas tué un Israélite, excepté Uriah. He was jealous of the flock of the Lord that is near. Il était jaloux du troupeau du Seigneur qui était sous sa garde. Même avant de devenir roi, he was jealous. Il protégeait jalousement. But these religious leaders, mais ces dirigeants religieux ici, elders, les anciens, qui sont supposés connaître Dieu, qui sont supposés connaître la pensée de Dieu, what God is doing to the younger generation, qui sont supposés interpréter auprès de la jeune génération ce que Dieu est en train de faire, they gave them wrong counsel. Ils leur ont plutôt donné un mauvais conseil. Ils leur ont dit, prenez l'arche et allez avec. A stereotype answer. Une réponse stéréotypée. C'est-à-dire toute prête. God or no God, you act to do the business. Qui est Dieu, avec ou sans Dieu, l'arche va faire l'affaire. God was in the ark. Dieu était dans l'arche. God was still there. That's why they had the Philistines. Et Dieu était encore là. C'est pourquoi il a géré les Philistins. But his people, mais son peuple, they didn't learn the first time. Ils n'ont pas appris la première fois. 30,000. Et la deuxième fois, 30,000.
And God permitted his ark to be taken away. Et Dieu a permis que son ark soit emporté. Because of the carelessness of his people. À cause de la négligence de son peuple. If three people want to pray, let them pray. Si trois personnes veulent prier, qu'elles prient. Seigneur, merci pour ton avertissement à nous et à moi. Tu me prévois, tu me prévois d'être de ceux-là de l'ancienne génération. Pardonne-moi, Seigneur, à plusieurs égards, j'ai donné des réponses stéréotypées. Pardonne-moi pour l'arrogance, l'orgueil. Pardonne-moi, Seigneur, de nous contenter d'être un historien qui connaît l'histoire et qui déverse cela sur la jeune génération sans nous soucier de l'intimité, de la marge personnelle, des bases. Seigneur, hier tu as parlé du danger de l'apathie, la familiarité malsaine avec les choses, la religion, la doctrine. Je m'en repens, Seigneur. Je prie que tu aies une miséricorde. Je reviens à toi. Une marche authentique, dynamique, continue, afin de ne pas tomber dans cette travers de la religion, de la doctrine sans Dieu, de la forme sans le fond. Aide-moi, Seigneur, je te supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, combien ils étaient aveugles, but in chapter 6. Mais au chapitre 6, in French, si tu arrives à agir un peu. En français, la sœur a été moi, on a un peu argumenté. Because in French, they say they have hemorrhoids and they have the... Parce qu'en français, on dit qu'ils avaient les hémorroïdes et ils avaient les tumeurs. Because she asked me why did they make rats and why they make... Parce que je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait des... Pourquoi ils ont fait des souris d'or et des tumeurs d'or? So I said in the Bible, they said that the rats have been liberated and rats were eating all of their things. C'est parce que je lui ai dit parce que dans la Bible il dit que les souris avaient été libérées et rangeaient tous leurs aliments. So and then they had tumors. Ils avaient des tumeurs qui poussaient partout dans le corps, un cancer ici, un cancer là-bas. So they made une image. Donc ils ont fait une image du cancer et une image des souris. Et après elle a dit que c'était leur sujet de prière à Dieu. Donc délivre-nous de cette souffrance. This was like their prayer topic. C'était comme leur sujet de prière. Because that's how much light they had. Ça c'est le niveau de lumière qu'ils avaient. They knew that they could not send back. They acknowledged that this God was bigger than their God. Ils avaient reconnu que ce Dieu était plus grand que leur Dieu. And they knew the history of the God of Israel. Ils connaissaient l'histoire du Dieu d'Israël. They said, okay, this God, after he had done like this with Pharaoh, he vanished him on the ground. Ils savaient que ce Dieu-ci, après avoir tourné Pharaon par le petit doigt, il a fait atterrir au sol with his people, avec ses gens, d'être offert. Et craignons-le. And they offered, in the English verset, they offered a guilt offering. En français, oui. Il dit qu'ils lui ont offert un sacrifice de culpabilité, yes. C'est verset 3. That's how much light they have. C'était le niveau de lumière qu'ils avaient. That's what the Bible says. What can be known about the doctrine of God in the gospel? C'est pourquoi la Bible dit que ce qui peut être dans Romains chapitre 1, ce qui peut être connu de God has made it known. Dieu le leur a fait connaître. There is a knowledge in everybody about God. Il y a une certaine connaissance au sujet de Dieu en tout le monde. That's what the Bible says. They are without excuse. Et c'est pourquoi la Bible dit ils sont inexcusables. In Romans chapter 1. Dans Romains chapitre 1, ils sont inexcusables. They look at what he has done. Look at this. Regardez ce que ce Dieu a fait. Regardez. C'est qu'ils sont inexcusables. La Bible, they have no reason to justify that. Inexcusables. Ils n'ont aucune raison de justifier leur
leur mauvais comportement. So these Philistines, after according to how much like their conscience have you seen? Donc ces Philistins avaient agi selon le degré de lumière qu'ils avaient dans leur conscience. Putting the ark on the milk cows. Mettant la l'arche sur ce char avec les vaches. With their offering of the guilt. Avec leur sacrifice de culpabilité. Et Dieu leur a montré, Dieu leur a confirmé que c'était effectivement lui qui était en train de les frapper. God speaks to them. Dieu parle même aux non-croyants. Because God is concerned that they come to the knowledge of the Lord. Parce que Dieu se préoccupe de les voir venir à la connaissance du Seigneur. Who here has a copy of the centrality of prayer? Qui ici a une copie de la centralité ici, la prière, ici sur place? Tu es venu avec ta copie. Nous avons commencé à lire ce livre aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas apporté leur copie, qui se lèvent. Est-ce que c'est parce que vous saviez pas ou bien parce que vous avez juste laissé ça à la maison? Qui ne savait pas? Parmi ceux qui sont debout, lève la main. Ceux qui n'ont pas reçu la lettre. Si tu as plus d'un exemple, il y a beaucoup de copies en anglais. Tu peux acheter une copie en anglais. Because when we are reading, we're reading in groups. Parce que quand nous allons lire en groupe. It's good that each person has his copy. Ce serait mieux que chacun ait sa copie sous les yeux. In French, in English, there are in French. En anglais, il y a suffisamment de copies, mais en français. Because I took it for granted because the last time the first set of students asked the book we read, j'ai pris pour acquis qu'on allait avoir des exemplaires ici parce que pendant la première session de 3 ans, c'est ce livre qu'on avait lu la première année. On avait commandé quelque chose comme 200 copies, mais avec le temps, les frères les ont achetés. Donc je pensais qu'elles étaient encore là. Quand j'ai demandé, on m'a dit qu'il y avait deux petites copies en anglais et en français. Of course, I said out of the 10 that there are only 2 or 1 in French and the rest in English because there are fewer on the phones than there are for the phones. Et juste ce que Dieu était en train de faire. And how God was leading us. Et comment Dieu était en train de nous conduire. And that's what we're doing. Et comment nous suivions le Seigneur. And that's what we're doing. Et c'est ça qui a conduit au mouvement. And there is a goal, we know where we're going. Et il y a un but, nous savons où nous allons. Mais l'aspect de dire que nous n'avons pas un standard particulier ne fait pas partie du mouvement. No. Because we have a standard. Parce que nous avons un standard. That is not negotiable. La sainteté n'est pas négociable. Faut qu'il soit dirigeant numéro 1 ou dirigeant numéro 1 milliard. La sainteté ne peut pas être négociée. Commitment to the Lord Jesus Christ as disciples cannot be negotiated. L'engagement au Seigneur Jésus-Christ en tant que son disciple, cela ne peut pas être négocié. A daily walk with God. Une marche avec Dieu quotidienne, une marche dynamique avec Dieu ne peut pas être négociée. Working at the goal cannot be negotiated. Travailler sur le but, sur la tâche assignée, cela ne peut pas être négocié. Knowing what God expects of us each year. Cannot be negotiated. Savoir ce que Dieu attend de nous chaque année, cela ne peut pas être négocié. Because it's one of the things that the people of Israel did. Parce que ça fait partie des choses que le peuple d'Israël avait fait. Ils avaient oublié qu'ils étaient un mouvement. Ils avaient oublié pourquoi Dieu les avait amenés à l'existence. Because God brought them into existence. Dieu les avait amenés à l'existence pour que, à travers eux, que Dieu puisse montrer, manifester aux autres nations. What it means of a nation where God, the invisible God, is living. Ce que ça signifiait d'avoir une nation dont le dirigeant était le Dieu invisible. So that even the leaders knew that they were operating under the leadership of the living God. De sorte que même les dirigeants savaient qu'ils opéraient sous le leadership du Dieu vivant. In
First Chronicles 29. Dans 1 Chronique 29, nous allons lire. From verse 22. À partir du verset 22. They ate and drank with great joy in the presence of the Lord that day. 1 Chronicles 29, verse 22. 1 Chronique 29, verset 22. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Then they acknowledged Solomon, son of David, as king a second time, anointing him before the Lord, the ruler, and Zadok, the priest. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent devant l'Éternel comme chef et ils oignirent Zadok comme sacrificateur. So Solomon sat on the throne of the Lord as king in the place of his father David. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. He sat on whose throne? Il s'assit sur le trône de qui? On whose throne? Il est dans sa Bible. C'était le trône de qui? L'Éternel. Ah, vous direz ce qui est dans vos têtes. So Solomon sat on the throne of the Lord. Read it. Le verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. So when Solomon sat on the throne? Donc quand Salomon s'assit sur ce trône, he was that event. Ce que ça signifie, c'était que c'est Dieu qui est censé s'asseoir this sur ce kingdom, trône. Ce royaume is God's kingdom. C'est le royaume de Dieu. Je m'assois. Je vais obéir à Dieu en tant que roi, de sorte que Dieu puisse régner dans ce pays à travers moi. It was the throne of God. C'était le trône de l'Éternel sur Israël. God was the king of Israel. Dieu était le roi d'Israël. Any people sat on the throne had to acknowledge that God is king over Israel. Et tout roi qui s'asseyait sur le trône devait reconnaître que Dieu était le roi d'Israël. So Solomon sat on the throne of the Lord. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Read it, brethren. Lisez. Moi, je pense que c'est le trône of David, le trône of King. Quand on dit quel est le trône de qui, plusieurs personnes ont dit de David. Read it, underline it. Et souvent, what does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? It's a very serious thing. C'est une chose très sérieuse. You sat on the throne of God. On dit que tu t'es assis sur le trône de Dieu à l'île. En tant que dirigeant de l'œuvre de Dieu, of this assembly, en tant que dirigeant de cette assemblée, of this local church, en tant que dirigeant de cette église locale, you understand what it means, sister, you understand what it means, frère, sœur, si tu comprends ce que ça veut dire, tu sais que tu es assis sur une pierre chaude. Your life must be a life of total obedience. Ta vie doit être une vie d'obéissance totale au Seigneur. Those who like leadership, they only think of it in terms of the world. Ceux qui aiment le leadership et ne pensent au leadership que selon le monde, they don't know that it's something God gives you to serve God's interest on the people God has established, on God's will established under your leadership. Ils ne savent pas que c'est quelque chose que Dieu donne pour servir les intérêts de Dieu with respect to God's people. Par rapport au peuple de Dieu. That God's purpose is through those people is accomplished. Afin que les desseins de Dieu à travers ce peuple puissent être accomplis. Donc Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Donc Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. As king. Comme roi. In place of his father David. À la place de David, son père. He prospered and all Israel obeyed him. Et il prospéra. And all Israel obeyed. Et tout Israël obéit. He sat on the throne of the Lord. Il s'assit sur le trône de l'Éternel. He was sitting in the place of authority. Il était assis au lieu de l'autorité. God's authority delegated to him. L'autorité de Dieu qui lui avait été délégué. So he may do what God wants. Afin qu'il puisse faire ce que Dieu voulait. So afin qu'il puisse traiter le peuple de Dieu comme Dieu veut. So he may be an example to God's people. Afin qu'il soit un exemple, un modèle pour le peuple God. De Dieu. Pour leur montrer comment chercher how Dieu. God. Comment trouver how Dieu. Obey God. Comment obéir à Dieu. God. Comment servir Dieu. He was
not talking about a title when he passed and called him king. C'était pas pour avoir un titre, de sorte que quand il passe, qu'on l'appelle roi. He started out very well. Il avait très bien commencé. But he went off the rails. Mais il a déraillé. He became like the kings of the world. Il est devenu comme les rois du monde. So that's what Israel was supposed to be, the nation. And there they also asked for a king. It was not God. It was that they also said, no, give us a king. We want to be like the other people. Et c'est Israël, le peuple d'Israël lui-même, qui a demandé au roi. Ils ont dit, donne-nous un roi, nous voulons être comme les autres peuples. Ils ont demandé un roi à Dieu. Donne-nous un roi. Nous voulons quelqu'un qui, quand nous allons en guerre, qu'il avance devant nous et qu'on puisse le voir, et qu'on peut voir. Ce Dieu invisible, ce Dieu là qu'on dit qu'il est immortel, on ne le voit même pas, on dit qu'on va regarder, on ne voit personne. But they always knew the victory. Mais ils expérimentaient les victoires de ce Dieu. And when they came back, they knew that it was God. Et quand ils revenaient, ils savaient que c'était Dieu. When they backslidden. Mais quand ils allaient être regardés, ils voulaient déjà être comme les autres. God said, okay. Dieu a dit, d'accord, I'll give you a king. Je vais vous donner un roi. He must ensure that he lives according to my word. Mais il faut que votre roi s'assure de marcher et de vivre selon ma parole. He gave him Saul. Il leur a donné Saül. Saul became really a king like the other nations. Saül est devenu un roi comme les autres, comme les rois des autres nations. He raised up David. Dieu a suscité David. And David was a king according to the heart of God. Et David était un roi selon le cœur de Dieu. Salomon est venu. Also. Il a aussi bien commencé. Mais il a déraillé. Quand Rehoboam est venu, il a dit, vous n'avez encore rien vu. Et il est devenu un roi selon le monde. Et Rehoboam a dit, moi, si je prends ma part du royaume, pourquoi est-ce qu'on doit être des esclaves de Rehoboam? Ils ne voulaient pas que le Dieu vivant les dirige. That part of our inheritance, ça fait partie de notre héritage. This capacity to turn to God, cette capacité de nous tourner vers Dieu et demander, interroger Dieu pour que Dieu te conduise au niveau personnel. And that those who are in leadership over us, et que ceux qui sont dirigeants sur nous soient des personnes qui maintiennent une marche dynamique avec Dieu. De sorte que Dieu puisse les conduire et qu'ensemble nous puissions accomplir le dessein pour lequel Dieu nous a amenés à l'existence. We're going to pray now for the missionaries. Nous allons prier maintenant pour les missionnaires. I prefer we use the list. We have an updated card. Are the cards updated? Je préfère que nous utilisions les listes. Get the list. I want us to pray for one of the prayer topics in here. Je veux qu'on prie pour les missionnaires selon un des sujets de prière dans ce livre, la centralité de la prière. Quelqu'un peut-il me prêter sa copie en français? Merci. I want to finish giving my qualifications. I'm reading, I'm quoting. The page says. Okay, je n'ai pas fini, c'est la page 16, merci. Je n'ai pas fini de vous donner mes qualifications. I have five special prayer topics. J'ai des classeurs avec des sujets de prière spéciaux. Issues I consider critical. Des choses que je considère d'une importance critique. This is volume 81. Je suis au volume 81. So there are 80 others. Il y en a 80 autres. I've just started volume 81. Je viens juste de commencer le volume 81. I will read what I wrote in India. Je vais lire ce que j'ai écrit en Inde. The point of the prayer topic. We read it this morning. C'est l'un des sujets de prière. Vous l'avez lu ce matin. Our Father and our God. Notre Père et notre Dieu. Grant that there will be spiritual fusion between the elders of the church in Yaoundé and ZTF. Permet qu'il y ait une fusion spirituelle entre les anciens de Yaoundé et ZTF. So that we will have the same vision. De sorte que nous ayons la même vision. The same standards. Les mêmes standards. And that both as individuals and collectively will be determined to pay the same price. Et que nous soyons déterminés, individuellement et collectivement, à payer le même prix. So that the goal should be accomplished. Pour que le but soit accompli. Okay, we are going to pray for the missionaries. Nous allons prier pour les missionnaires. Did you pray for yourself according to this? Est-ce que vous avez prié pour vous-même selon ce sujet? You will start by praying for us. Nous allons commencer par prier pour nous-mêmes. Let me see how we modify. I was more concerned with the content. C'est le contenu qui me préoccupait plus. On va modifier.
We want a fusion. Nous voulons une fusion. So we all are living the same standards of life we received. Pour que nous vivions au même standard de vie que nous avons reçu. Being disciples of the Lord. À savoir être des disciples du Seigneur. Is that not one of the standards for us? Est-ce que ce n'est pas un des standards de notre ministère? Seeking God, finding God, trouver Dieu, knowing God, connaître Dieu, walking with God, marcher avec Dieu. It's part of the standards for ministry. Ça fait partie de notre uniforme. Ça fait partie de notre uniforme, n'est-ce pas? Working at an assigned task. Travailler à sa tâche assignée. Living lives that are holy. Vivre des vies qui sont saintes. Having the same vision. Avoir la même vision. The same standards. Les mêmes standards. If I take a certain disparity in standards, let me just take an example. Je vais prendre un exemple de disparité dans les standards. There are some leaders who don't fast on Wednesdays. Il y a certains dirigeants qui ne jeûnent pas le mercredi. And they never mention fasting intercession for Cameroon in their localities for Wednesdays. Et ils ne mentionnent jamais l'intercession jeûnant pour le Cameroun dans leur localité le mercredi. That's a real disparity. Ça c'est déjà une disparité. Right? N'est-ce pas? We are a fasting movement. Nous sommes un mouvement de jeûne. Everyone of CMFI is just here on Wednesdays. There's no point in eating food. Chaque membre de la CMC doit être tel que. Dès qu'on te voit dans mercredi, on sait que ce n'est pas nécessaire de te proposer même à manger. On sait que d'office, tu es en train de jeûner. It's a standard. C'est un standard. I'm giving something very simple. Je prends une chose très simple. Is it not normal that people of our ministry should be up at 4 a.m. or at least before 6 to see God? Est-ce que ce n'est pas normal que les gens dans notre ministère soient debout avant 4 heures? À 4 heures ou bien avant 6 heures tout au moins pour chercher Dieu. Depending on how much time you want to spend with God. En fonction du temps qu'ils veulent passer avec Dieu. Is that not normal? Est-ce que ce n'est pas une chose normale? Is it normal that in some churches people give some percentage of whatever inferior to 10 and they call it a tithe? Est-ce que c'est normal que dans certaines églises, certaines personnes donnent un pourcentage de leur choix inférieur à 10% et ils appellent ça une dîme? Est-ce que c'est normal? Ça, c'est une autre disparité. C'est-à-dire, une différence. Ils ont dévié. There are things, because unless there's such, so that as individuals, de sorte qu'au niveau individuel, and collectively, et aussi collectivement, we are all paying the price. Que nous soyons tous en train de payer le prix. If I'm just a church leader in a small village called Bonis. Si je suis juste un dirigeant d'église dans un petit village appelé Bonis. And that is all of my assignments. Et c'est tout ce que j'ai comme tâche assignée. I am putting everything in. Je mets tout dedans. I know I owe the gospel to every single house. Je dois savoir que je dois l'évangile aux habitants de chaque maison de Bonis, sans exception. Just as the others are doing. Tout comme les autres sont en train de le faire. Then we have the same standards. Là, nous avons le même standard. Mine is just Bonis. Mon domaine est limité. Ma tâche peut être limitée à Bonis. And yours may be in Central African Republic. Et la tienne peut être dans toute la République centrafricaine. Or in Uganda. Ou bien dans tout Uganda. I have in Bonis. I am in Uganda with their feet on the wall. Je ne peux pas être en train de travailler dur ici à Bonis et toi tu es en Uganda, tu suspends les pieds on the wall, tu le mur, reading, en train de lire au lieu d'être à ton smartphone. En train de regarder ton smartphone en disant ah les gens ici sont en Russie, c'est là que je suis preaching. Le col prêche ici, ne crois pas. Is it, when there's disparity, vous voyez, quand il y a disparité, it will die. Ça va mourir des conflits. Ou bien il y aura des conflits. If those who are following fully what God has given us are many, si ceux qui sont en train de suivre pleinement ce que Dieu nous a donné sont nombreux, the table will turn this way. Il y aura renversement de situation. Le mouvement va aller de l'avant. But if those who are saying the standards are too high, mais si c'est ceux qui disent oh les standards sont trop élevés, on exagère. Si c'est eux qui sont les plus nombreux, le mouvement sera tué. In many societies, see in the East, dans plusieurs sociétés comme ici à l'Est, for a girl to be a virgin when she's getting married is a big joke. Everybody will mock at her.
Qu'une fille soit vierge quand elle se marie, c'est une grosse plaisanterie. Tout le monde va se moquer d'elle parce que la virginité, c'est quelque chose qu'on méprise. So to give a child a little child, go to the next person get married. Donc, aller en concubinage ici, laisser un mariage. Tu pars dans un autre, ils appellent ça mariage. Tu vas ailleurs, tu laisses encore les enfants, tu quittes, tu pars. Pour eux, c'est normal. Imagine that there is another society. Imaginez une autre société, un autre groupe de personnes. Where if a girl is not a virgin, she's told. Ou dans lequel, si une fille n'est pas une vierge, on la lapide. Like among the Israelites. Comme parmi les Israélites. Being a virgin there would be normal. Être vierge là-bas, ce serait une chose normale. Et c'est une chose qui a de la valeur. Right. N'est-ce pas? So even in our midst. Donc, même au milieu de nous, if I lower the standard, si je diminue les standards, like there was a brother, par exemple, il y avait un frère, à Douala, the leader would say, okay, lead the prayer meeting from 10 to 6 a.m., for example. Le dirigeant de son groupe disait, par exemple, il faut diriger la réunion de prière de 22h à 6h, par exemple. He said it in public. Le dirigeant dit ça en public, tout le monde a entendu. Le frère tel va nous conduire de cette manière. While I go to do work in another part of the country. Pendant que je vais aller travailler dans une autre partie du pays. This brother comes when his immediate disciple maker is not there. Ce frère vient quand son faisant de disciple immédiat n'est pas là. It is true. C'est vrai que notre faisant de disciples a dit qu'on devait prier de 22h à 6h. But so that we will not sleep much, we should come at 12 and pray till 4. Mais pour que les gens ne dorment pas trop, nous allons venir commencer la prière à minuit et nous allons prier jusqu'à 4h. He has changed his standards, right? Il a changé le standard, n'est-ce pas? Les enfants. Les frères seront contents. Ils seront très contents. Ils aiment de telles choses. And then afterwards. Et après, you see, the standards have changed. Vous voyez comment les standards ont changé. When the disciple maker of that group comes back. Quand le faisant des disciples de ce groupe revient, he's exaggerating. Les frères disent vraiment, il exagère. When the standard brother left, we are all there, Quand notre frère a conduit la prière, nous sommes tous venus, nous étions tous éveillés. Parce qu'on a prié seulement 2 minutes à 4 heures. Personne n'a dormi. Il y a déjà une disparité. And that disciple group will die. Et ce groupe de disciples va mourir. If that brother finally left our ministry and started his own ministry. Ce frère qui se comportait comme ça a fini par quitter notre ministère et il allait commencer son ministère à lui. Six were there dans le groupe. Mais les semences. And his ministry is. Cette semence a été déjà en lui. Et dans son ministère. L'idée, c'est frères et sœurs, ne vous dérangez pas trop. Dieu pardonne tous nos péchés. Le sang de Jésus nous lave. C'est pas la grâce. Si tu as lu la Bible aujourd'hui, ce n'est pas la grâce. Parce que sans la grâce, on ne peut rien faire. If you read the Bible today, it's really by the grace of God. Because without the grace, you can do nothing. J'exagère un peu, mais. You see, vous voyez un peu? There's been disparity. Il y a disparity. And God will leave the thing. Dieu va partir de là. And then once I told the brother, I said, brother, we are doing this in God can leave us. He said, sister, I mean that God can never leave the church in Yaoundé. Je me souviens un jour, après la mort du frère, là, j'étais en train de dire à un frère, on peut faire comme ça, Dieu nous quitte. Le frère m'a dit, sœur Élie, Dieu ne peut jamais quitter l'église à Yaoundé. No, he told me I can quote him. Je peux vous dire son nom. We're standing in front of the World Pastor Prayer Fasting building in Yaoundé. Et je peux lui dire, frère tel, tu as dit telle chose. Nous étions debout devant le bâtiment de l'UMPJ à Yaoundé quand tu disais ça. Je peux le dire en sa présence. Je lui ai dit, tu n'as pas lu les actes des apôtres. Tu n'as pas lu le chapitre 2 dans Apocalypse. Anyway, I didn't enter into argument. De toute façon, je ne me suis pas mise à argumenter avec lui.
So I'm going to pray. Donc nous allons prier. Okay. Lord, write it down. Écrivez le sujet. Seigneur, grant that Raphael God is his name on the first mission of this Le nom du frère que God le sait. Est le premier, le nom du frère que Dieu a annoncé est le premier sur la liste des missionnaires. Seigneur, permet que le frère, par exemple, c'est le frère que Dieu a annoncé, will live the same standard, vive les mêmes standards, the same standard of life, de vie, as we learn from Brother Zach. Non, pas quand il vit les mêmes standards de vie, s'impose les mêmes standards de vie que le frère Zach. Of course, it will be different for each person according to his assignment. Évidemment, ce sera différent pour chacun selon sa tâche assignée. But he is putting in his all. Mais que la personne soit en train de mettre son tout. So that at the personal level, de sorte qu'à son au niveau personnel, and collectively, et collectif, he will pay this. Will all pay the same price. Nous payons tous le même prix. Ça dépend. No, just for we are thinking together. Okay. We know what we want to ask for. Okay. I have put it. Okay, write it. You come up with something better. On va dire quoi? Seigneur. No, write it down. Let's write it. All of us are conceiving. It's part of being leaders in prayer. How do you put it in our prayer? Your child are not parents in prayer. Nous allons tous concevoir ce sujet de prière pour ne pas être perroquet dans la prière. Donc, quand on dit et formule ce sujet. The content is there. Le contenu est là, à la page 16, pour les francophones. Lord, stir the heart of dot, dot, dot. Seigneur, incite le cœur de point, 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 to put in his all, à mettre son tout in his relationship with God, dans sa relation avec Dieu, to put in his all, et à mettre son tout in his serving God at his assigned task in our vision, dans son service à Dieu, dans sa tâche assignée et notre vision, so that the goal will be afin que le but soit accompli. It's straightforward, right? Ça c'est direct, n'est-ce pas? He's putting in his own. Que la personne mette son tout. If your all is 3,000 francs, it is your all. Si ton tout c'est 3,000 francs, c'est ton tout. If your all is 3 hours of active service, that is your all. Si ton tout c'est 3 heures de service actif, c'est ton tout. Incite le cœur de propre point. To put in his all, à mettre son tout in his relationship with God, dans sa relation avec Dieu. This would mean, cela signifiera that that person will not joke with anything that God does not approve. Not about the present allocation. Ça signifie que cette personne-là ne va pas s'amuser avec une chose que les frères ne peuvent, que Dieu n'approuve pas, pas parce que les frères sont en train de le surveiller. Il va vivre sachant que Dieu le regarde sous le regard de Dieu. He will have an inner fear of God that controls him. Il aura une crainte intérieure de Dieu qui va le contrôler, whether he's in public or he's in private. Qu'il soit en public ou qu'il soit en privé. He's not someone who jokes with his relationship with God. Ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse avec sa relation avec Dieu. Whether it's time spent with God alone. Que ce soit par rapport au temps passé seul avec Dieu, or time spent with God, the presence of others, ou bien le temps passé avec Dieu en présence des autres, that is approved of God at every moment. Qui soit approuvé, qui va s'efforcer d'être approuvé de Dieu à tout moment. He's someone who not joke with his conscience. Ce sera quelqu'un qui ne s'amuse pas avec sa conscience. Okay. That's a person who's putting his all. Ça c'est quelqu'un qui est en train de faire. Person who seek to please God. Quelqu'un qui va chercher à plaire à Dieu. If you consider Daniel, prenons l'exemple de Daniel. He was living with a religious system on in Babylon. Il vivait avec un système religieux qui le suivait. He had the liberty to do anything. Il avait la liberté de faire tout ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Right? N'est-ce pas? But he lived with the fear of God. Mais il vivait avec la crainte de Dieu. He did not joke with his relationship with God. Il ne s'amusait pas avec sa relation avec Dieu. He put in his all. Il investissait son tout. When it came to not eating the rich food of the king, quand il fallait refuser de manger la nourriture riche du roi, il a dit, je ne vais pas manger. I cannot defy myself. Je ne peux pas me souiller. Because I am an Israelite. Parce que je suis un Israélite. We don't eat food that has been offered to idols. Nous, Israélites, nous ne mangeons pas la nourriture, la viande qui a été offerte aux idoles. We are set apart for God.
nous sommes mis à part pour Dieu. Even though he's Israel, bien que étant Babylone, he lived as a true Israelite. Bien que étant à Babylone, il vivait comme un vrai Israélite. Les autres pouvaient dire bon, Dieu comprend, on est ici à Babylone. On va faire comment? We are slaves. Nous sommes des esclaves. So, donc, God understands. Dieu comprend. God understands. Non, Dieu ne comprend pas. He put in his all his relationship with God. Donc, que la personne, nous revenons à notre sujet, que la personne mette son tout dans sa relation avec Dieu. He put in his all in serving God in the same time. Et qu'elle mette son tout dans son service à Dieu, dans sa tâche à signer. He has no excuses to give birth. Elle n'a aucune excuse à donner pour faire que d'or. Frère Théodore, tu veux nous blâmer cette fois-ci comme tu l'as toujours fait. What is he saying? Ça, c'est pour dire quoi? He's running the religious system called Célestin. Cette personne qui se comporte comme ça est en train de fonctionner dans un système religieux appelé la CMCI. Et le frère Théodore, c'est le surveillant général de cette. Le surveillant général de cette. This man is not conscious of the fact that he is serving God. Quelqu'un comme ça n'est pas conscient du fait que c'est Dieu qu'il est en train de servir. You know, say, brother. Il ne va pas dire frère. Frankly speaking, the money you send is not enough. Vraiment, l'argent que tu envoies là, ça, le money comes from where? À dire vrai, l'argent là ne suffit pas. En disant comme ça, il va dire ça en pensant que l'argent vient. C'est pas comme planting all this. Est-ce qu'il pense que ici à Koumé, on cueille toutes les feuilles de tous les arbres aussi pour lui envoyer? Et puis ça transforme en ça se transforme en dollars ou en euros, je ne sais pas quoi. He will have no excuses to give. Il n'aura aucune excuse à donner. Such a person can never congratulate himself. Une telle personne ne peut jamais se féliciter. Comment c'est? Look at this great Babylon that I built. Une telle personne ne peut pas se lever et dire comme le roi de Nebuchadnezzar, regardez la grande Babylone que j'ai bâtie. When I came to this place, there was no church. Quand je suis venu dans ce pays, il n'y avait pas d'église. Now there are churches in 56 localities out of 112. Maintenant, il y a des églises dans 56 localités sur 112, 56 districts sur 112. Even if you want to complain, you have succeeded. Même si les gens veulent dire n'importe quoi, nous avons réussi quand même. Quand quelqu'un se comporte comme ça, si quelqu'un se comporte comme ça, il est déjà en train de sortir. Il a déjà perdu la vision. Il a déjà perdu la vision. When you can give excuses about the job God has given. Quand tu peux donner des excuses pour expliquer pourquoi le travail que Dieu t'a donné n'est pas fait, tu n'es pas en train de mettre ton tout. You are working for the system. Tu es en train de travailler pour un système. Tu n'es pas en train de travailler pour Dieu. We want to work for God. Nous voulons travailler pour Dieu. We want that everyone in the movement works for God. Et nous voulons que chacun dans notre mouvement travaille pour Dieu. His own is serving at his assignment. Il met son tout dans son service à Dieu, dans sa tâche assignée. Et that the goal will be accomplished. Et dans notre vision, I said he's serving. In his serving at his assigned task in a vision. Seigneur, incite le cœur de .. afin qu'il mette son tout dans sa relation avec Dieu et dans son service à Dieu, à sa tâche assignée dans notre vision. So that the goal will be accomplished. Afin que le but soit accompli. Sister Monique, what is our goal for 2017? Sœur Monique, notre but pour 2017, c'est quoi? Ou sous combien d'arbres? Dis encore, à haute voix, que tout le monde entend. 1 million de disciples. Dans 250 nations. D'ici décembre 2017. Tu es déjà en église, n'est-ce pas? Tu ne te connais même pas. Ça veut dire que tu ne peux même pas travailler. You see what we mean? Vous voyez ce que nous disons. She's the leader of the church in Maton. Elle est dirigeante de l'église à Maton. She doesn't know what we are supposed to offer to God by 2017. Elle ne sait pas ce que nous sommes supposés offrir à Dieu d'ici 2017. Madeleine, what is the goal of the church in Yaoundé for by 2017? Sœur Madeleine, quel est le but de l'église à Yaoundé d'ici décembre 2017? Nous devons 15 000 en 2016. Tu es dirigeant d'une église ou d'une zone?
a zone. How many people is your zone going to bring in? Combien de personnes ta zone va-t-elle amener? 500. 500. Nous devons être 500. Décembre. How many of you are there? Vous êtes combien maintenant? Ok, sit down. You understand what I say? Vous comprenez ce qu'on dit? Ok. Maintenant, as leader of the zone, la soeur Madeleine, en tant que dirigeante de zone, she'll go for one assembly. How many people believe today? Elle va aller dans une assemblée. Frères, combien de frères, combien de personnes ont pris aujourd'hui? Chaque semaine. She'll know that in this assembly, 10 people believe. Elle va savoir que dans cette assemblée, 10 personnes ont pris, dans celle-là, 2. Her prayer will be. Then she will have a burden. Là, elle aura un fardeau. J'espère qu'elle a un fardeau. Because she cannot be idle. Parce qu'elle ne pourra pas être oisive. She'll not be doing something so that she can give account to bring some and the. Elle ne sera pas en train de faire quelque chose pour pouvoir donner un compte rendu au frère Bisson ou bien au corps des dirigeants. Et expliquer pourquoi. Frère, je peux vous assurer, depuis l'année 2000, ceci, nous évangélisons dans cette quartier de commerce, mais les gens sont endurcis. Est-ce qu'elle pourra donner une telle excuse? At least she knows where they are going to. Au moins, elle sait où ils vont. We are supposed to be 1 million. Nous sommes supposés être 1 million. By December 2017. Have you heard Monique? D'ici décembre 2017. Okay, Monique, have you heard? C'est Monique, tu as entendu. Ma tante, it has set a carry, has put herself aside. Oui, et dans 100 nations. C'est dans 100 nations d'ici 2017. 250 nations, c'est en 2065. Ok. Because we know where we are going to. Nous savons où nous allons. Because prayer cannot be purposeful. Parce que la prière ne peut pas être sans but. If you are doing it just to give account to somebody, of course. Si tu fais ça juste pour rendre compte à quelqu'un, tu peux. Aligner tes excuses. Tu dois savoir à quel niveau ton église de maison se trouve. Every member of the house church becomes precious. Et là, chaque membre de ton église de maison devient précieux. Sunday on Sunday. S'il n'est pas là dimanche. By 5:30 a.m. you are there on Monday to have family worship. À 5h lundi matin, tu es déjà là-bas pour avoir le culte matinal avec eux. Or you send other leaders there while you are going to the others. Ou bien tu envoies d'autres dirigeants là-bas pendant que toi-même tu vas ailleurs. Non, tu vas en plus, tu vas aussi pas pour aller famille. Pas pour aller prêcher, mais tu vas aller t'asseoir et faire le culte familial avec eux. That's what I mean. C'est ça que ça signifie. Putting in your own. Investissant ton tout. Putting in your own. Investissant ton tout. So the goal will be accomplished. Pour que le but soit accompli. It applies not only to the missionaries who are out there, but the missionaries who are on the spot. Ça s'applique pas seulement aux missionnaires qui sont partis dans différents champs missionnaires, mais aussi aux missionnaires qui sont sur place. Donc ça c'est le fardeau que le frère Zach avait pendant qu'il priait pour les anciens. Et ça s'applique à nous tous. If a body of leaders are not living the same standard. Parce que si un corps des dirigeants, si les dirigeants dans un corps des dirigeants ne vivent pas les mêmes standards, they say the prime job of the leaders is on Thursday. On dit que la réunion de prière des dirigeants c'est le jeudi. From 8 p.m. to 4 a.m. De 20h à 4h du matin. Others are there at 4, others come at 2. Certains viennent. Certains viennent à 20h, d'autres viennent à 2h. Others come at midnight. D'autres viennent à minuit. Some leave at 1. Certains partent à 1h. Why should some stay there and you go? Pourquoi est-ce que certains doivent être là et toi tu t'en vas? You have an excuse to give yourself. Tu as une excuse à te donner. But not to God. Mais pas à Dieu. If you are conscious of God, si tu es conscient de Dieu, that God sent you there. Tu es conscient que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. You will tie yourself. Tu vas t'attacher. So that you be absent is an abnormal, it's an unusual thing. De sorte que pour que tu sois absent, ce serait une chose exceptionnelle. Exactement. Putting in our all. Mettons notre tout. Because if those who are putting their all are few. Parce que si ceux qui mettent leur tout sont peu nombreux. And those who are relaxed are many. Et ceux qui sont relaxés sont nombreux. Or who have another standard. Ou qui ont un autre standard sont nombreux. Then that will be the end of
The ministry God gave us. What God wanted to use us to do. I'm going to do this. Ce sera la fin du mystère que Dieu voulait nous donner. Et ce que Dieu, ce pourquoi Dieu voulait nous utiliser, c'est nous les perdants. When the sons of Eli behaved like the sons of Belial. Quand les fils d'Eli, did God work out? Quand les fils d'Eli se sont comportés comme les fils de Belial, est-ce que l'œuvre de Dieu s'est arrêtée? Elle ne s'est pas arrêtée. Dieu peut se débarrasser de n'importe qui parmi nous. Et tu seras surpris de voir que Dieu continue. C'est-à-dire qu'il continue sans toi. Tu vas voir qu'il va prendre un faiblard, il va l'utiliser à ta place. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Ok. So we'll go out in our groups. Donc nous allons sortir maintenant dans les groupes du matin. Lord, Seigneur, stir the heart of God. Incite le cœur de .. We have the list here. Nous avons la liste ici. To put in his own. À mettre son tout. In his relationship with God. Dans sa relation avec Dieu. In his serving at the at his attire at in serving at his assigned task. In our vision. Dans son service, dans sa tâche assignée dans notre vision, so that the goal will be accomplished. Afin que le but soit accompli. Whether it's a goal for 2017 or 2020. Que ce soit le but de 2017 ou le but de 2065. Is it clear now? What is not clear? Stand up. What is not clear? Qu'est-ce qui n'est pas clair? I expect that you understood the concept. You... Je m'attendais à ce qu'ils veulent les expliquer. Okay, stand up. Lis ce que tu as. Dis ce que tu as écrit. Esther. Lord, stir the heart of .. to put in his all in his relationship with God, his service to God. And he's serving God as his assignment. What is your assigned task? His assigned task in a vision. Okay. We have what we are all doing. Nous avons ce que nous sommes tous en train de faire. We have a certain type of life. We have what God has guided us to see. Nous avons un certain genre de vie, ce que Dieu nous a fait voir. Like the prayer ministry is part of our vision. Par exemple, le ministère de prière fait partie de notre vision. And then the goal is what we can do. Le but, c'est ce que nous devons compter et présenter à Dieu. Your assigned task may be praying in the prayer center for what is your assigned task there? Donc ta tâche assignée pourrait être de prier à l'ensemble de prière. What do you ta tâche assignée là-bas, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? I pray that the fullness of the Holy Spirit will rest upon Rachel's life, his ministry and his leadership. Okay, so... Will that lead to the accomplishment of the goal? Est-ce que ça va conduire à l'accomplissement du but? Yes. So you know, we're working there. Look at sister. As I'm going to look, why is she telling me that I have to stay up? Why is she? Si tu sais que ça va conduire à l'accomplissement du but, tu vas pas rester là-bas murmurant. Tu dirais la sœur Esther, la sœur Esther me dérange. Pourquoi elle veut que je fasse ceci ou bien tu restes, tu attends que la sœur Esther vienne te dire ceci ou cela. Si ça, you read all the books on being filled with. Tu vas lire tous les livres sur être en plus. You read the Holy Spirit came on a leader and his people. Tu vas lire quand le Saint-Esprit est venu sur le dirigeant et son peuple. Because you are putting in my heart. Parce que tu es en train de mettre ton tout. So that. So you be praying with the body. Donc tu vas prier avec un feu. Just wait and for prayer topics. Non, mais les Holy Spirit prie dans ton nom. Amen. Mais attends-moi juste un sujet de prière qu'on va te donner et tu te mets à rester. Seigneur, que le Saint-Esprit tombe sur le frère de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, permets que tous les tournées soient remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Have you read The Way to Pentecost by Chadwick? Est-ce que tu as lu The Way to Pentecost by Chadwick? They call it laziness. Ça s'appelle la paresse. C'est ça même ne pas mettre ton tout. Because you have a BA. Parce que tu auras. Non, elle a une licence. Elle a une licence. Si ça déconne des yeux, non, tout est ignorant. Ça s'appelle la paresse. Tu n'es pas en train de mettre ton tout seul. Are you for understanding? Vous comprenez? Lise un exemple. Voici un exemple. Missionary Esther Awa. Missionnaire Esther Awa. Prayer missionary. Missionnaire de prière.
posted at the World Conquest Prayer and posté au centre de prière et de jeûne de la conquête du monde. You see how you need to stir yourself up to pray. Tu vois comment tu dois te stimuler à prier. Then the burden will never leave you. Quand le fardeau ne va jamais te quitter. You pray there. Tu vas prier là-bas. In this hour. Et le moindre moment que tu auras. Tu vas lire tout ce que tu peux lire sur le Saint-Esprit dans la vie. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Tout ce que le Frère a fait écrit sur le Saint-Esprit, tu vas lire. Le livre qu'il a recommandé. Chaque passage qui parle du Saint-Esprit dans la Bible, tu vas le connaître. Studying to present yourself a étudiant pour te présenter approved of God. Pour te présenter comme une ouvrière approuvée par Dieu. Mettons ton tout. To ensure that you can cultivate the burden. Pour t'assurer que tu peux cultiver le fardeau. I serve to only work when there's somebody giving them. Ceux qui travaillent seulement quand les yeux des gens les regardent, ils vont se limiter à travailler quand ces gens sont là. They'll just come and take the craft of ils vont venir prendre les sujets de prière, lire, prier fidèlement. They cannot be a burden in such a heart. Dans un tel cœur, il ne peut jamais avoir de femme. Sœur Luisette of Marwa, what is your assigned task? Sœur Luisette de Marwa, quelle est ta tâche assignée? Je vais à la maison de prière, je soutiens l'œuvre dans la vie des anciens de Marwa. Pour le gagnement des âmes dans notre région. Dans notre nation. Dans notre région, là-bas, l'excellence. Pour le gagnement des âmes. C'est bien. Praise the Lord. Amen. So, comment take the list? Et je voudrais remercier le Seigneur de ce. Quelqu'un m'a fait, j'ai reçu un don de 10 000 And I want to thank God because I received the gift from somebody, one more people. Ma soeur Philo m'a fait un don de 10 000 le 10 mai 2016. Sister Philo gave me a gift on the 10th April 2016. Et je me rappelle aujourd'hui. And I remember today. Je vais mettre quelle date. Which date will I put? Tu fais la date d'aujourd'hui. You put the date of today. Parce que plusieurs poses le monde revenu poser la question. Because many people come back to that question. Le jour où tu te rappelles. The day you remember. Que tu n'as pas fait cette action. Tu n'as pas dit cette action. That you did not write that Thanksgiving topic. Tu mets la date d'aujourd'hui. You put the date of today. Ça va. Is it all right? It is as it is also the history of your walk with God. C'est aussi l'histoire de ta marche avec Dieu. It is the history of your walk with God. C'est l'histoire de ta marche avec Dieu. You can easily trace your walk with God by your thanksgiving. Tu peux facilement remonter le fil de ta marche avec Dieu à partir de ton cahier d'action. I thank God for those I give gifts to. Je remercie même le Seigneur pour ceux à qui je fais des dons. I don't remember all those who give. Je ne me souviens pas de tous ceux à qui je fais des dons. There are some I don't remember all the gifts I receive. Et je ne me souviens pas de tous les dons que je reçois non plus. But one thing I do. Mais une chose que je fais, dès que je reçois un don, whether it's apparently small or apparently que ce soit un don apparemment petit ou un don apparemment grand. Je remercie le Seigneur pour so ça. If I didn't remember to put it. Donc même si je ne me souviens pas de m'écrire cela dans mon cahier, I have thanked j'ai remercié le Seigneur. The Lord knows I'm grateful. Le Seigneur sait que je I suis reconnaissant. Really et je suis vraiment reconnaissant. Because I am talking to God. Parce que c'est à Dieu que je m'adresse. Exactly. C'est un cahier qui te permet aussi de voir ton histoire avec Dieu. If you thank God after every 3-day fast. Si tu remercies Dieu après chaque jeûne de 3 jours, it's easy for
C'est plus facile pour toi plus tard de voir combien de jeûnes de 3 jours tu as fait. Who here does 3 fast regularly? Qui ici fait les jeûnes de 3 jours régulièrement? Cathy, est-ce que tu connais combien de jeûnes de 3 jours tu as déjà fait depuis que tu as cru? Je ne connais pas. So you can even qualify for a BSc in fasting, you will not have. Donc tu peux même te qualifier pour une licence dans le jeûne et tu ne sais pas. 250 fasts of 3 days gives you a BSc in fasting. 250 jeûnes de 3 jours te donnent droit à une licence dans le jeûne. We have a candidate there. Nous avons un candidat là-bas. He's called Alexis. Il s'appelle Alexis, ce mot. Lève-toi, frère. He's already put in 203 days fast. Il a déjà investi 200 jeûnes de 3 jours. Donc là, 170. Ok. Il lui faut compléter à 250. It's not far. Ce n'est pas loin, il est plus loin de son but. And you have his BSc. Et il aura sa licence dans le jeûne. Maybe he even has his BSc in prayer. Peut-être avant même d'avoir sa licence dans la prière. Un enregistrement. You think even in the Bible, même dans la Bible, when they say they left from here and come here. Quand il est dit qu'ils partirent de tel endroit et arrivèrent à tel endroit, ils partirent de là et ils campèrent à tel endroit, ils partirent de là et campèrent à tel endroit. Ils étaient en train d'enregistrer les transactions de Dieu avec eux. Donc ça va juste au-delà d'avoir un cahier, un enregistrement. And see what God has done. Il y a des moments où tu prends ton cahier d'action de grâce en lisant, tu es étonné par ce que Dieu a fait. Is that okay? What about? Are there any questions with Thanksgiving? Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet du cahier d'action de grâce? Okay, the regular prayer. Yes, madam. No, we finish the Thanksgiving. Then we come to the regular prayer book. Maintenant, venons-en au cahier de prière. On a fini avec le cahier d'action de grâce. So she's asking. La question qu'elle pose est la suivante. Is whether she should just put the gloire à Dieu. Est-ce que dans la colonne exaucement, manière d'exaucement, on va juste mettre gloire à Dieu ou bien on est dans les circonstances d'exaucement? What is the purpose of that column? Quel est le but de cette colonne? Mélanie. From what I've said concerning the thanksgiving. À partir de ce qu'on a dit concernant les actions de grâce. C'est de rendre grâce à Dieu pour les prières exaucées. Yes. Rendre grâce à Dieu pour les prières exaucées. Ok. We saw the way Anna thanked the Lord. Nous avons vu comment Anna remerciait le Seigneur. If she had a thanksgiving book, si elle avait un cahier d'action de grâce, just put there, praise the Lord. Elle aurait juste mis là, gloire à Dieu. Mais elle est allée dans le temps, regarder son cantique chinois. Elle a déversé son cœur à Dieu. Elle a même prophétisé dans ses actions de grâce. She took more time in thanking God. Elle a pris plus de temps dans ses actions de grâce que le gloire à Dieu qu'elle aurait écrit dans son cahier. If she was doing it to present a good text, she would just put gloire à Dieu. Si elle faisait ça pour présenter, elle aurait juste écrit gloire à Dieu, ce serait tout. Because the thanksgiving may go beyond. You will not even have a long space. Parce que les actions de grâce peuvent aller au-delà. Tu auras même passé de l'espace. Ta colonne, manière d'exaucement, ne suffira pas pour dire tout ce que Dieu a fait. Ok. Is that okay? Ça va? Tu n'es pas compris. Tu poses la question, mais on n'a pas bien compris. Elle dit qu'elle pensait qu'on pouvait juste mettre en face à la colonne manière d'exaucement, gloire à Dieu, et on va dans les détails, dans le cahier d'action de grâce. C'est ce qu'elle dit, qu'elle pensait. It is personal. C'est personnel. Because it's your heart's way to God. C'est ton cœur qui coule vers Dieu. Anna brought the three bullocks.
Anna a apporté les trois taureaux, right. N'est-ce pas? Là, c'est sa gloire à Dieu. Ça, c'était son gloire à Dieu. Allez, j'ai tout son montagne. Et Dieu a pris davantage de temps. We have to do that. Elle a rédigé son cantique d'action de grâce. Ou bien elle a enseigné ça à son fils. À l'époque, ce n'était pas possible d'enregistrer. Ou bien c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Ou bien comme elle remerciait le Seigneur à peut-être que les gens ont été tellement frappés par ses actions de grâce que celles-ci se sont gravées dans les cœurs des gens. Ok. So you can. A prayer that I didn't write in my prayer book. Un cahier de prière. Un sujet de prière que j'ai pas écrit dans mon cahier de prière. There's a tenant in my house in Yaoundé. Il y a un locataire dans ma maison à Yaoundé. For 3 years he did not pay. Pendant 3 ans, il n'a pas payé. He's supposed to pay 80,000 every month. Il est supposé payer 80,000 chaque mois. In December, November, December, during the crusade. En novembre, décembre, pendant la croisade, we had to pray for our personal needs. On devait prier pour nos besoins personnels. La première fois, j'ai dit, Seigneur, fais juste que cet homme sorte de ma maison, même s'il emporte des loyers, pourvu qu'il parte. Then one sister prayed, thanking God who had performed the miracle, and God caused someone to give them 600,000. My faith got a little bit. Et pendant la même croisade, un autre jour, une sœur a prié, remerciant le Seigneur, qui avait amené quelqu'un à leur rembourser 600 000 francs qu'il leur devait. Ma foi a un peu grandi. So I changed my prayer. Et j'ai changé ma prière. My faith initially I had a thing. Initialement, je n'avais pas de foi. Je voulais juste qu'il parte. Je n'avais pas la foi qu'il peut me payer mes 3 ans. So faith came into my heart. Donc ma foi, la foi est venue dans mon cœur. J'ai changé mon sujet de prière. I prayed. Et j'ai prié. J'ai prié pour qu'il paye. By the end of December. Avant la fin décembre, he paid 1 million. Il a payé 1 million. 1 million, c'est plus de 10 mois. 1 million, c'est 12 mois. My sister who comes to the house, she took 500,000 for money into it. She took 500,000. Ma soeur qui gère le loyer là-bas avait investi 500 000 francs dans la maison de son propre argent. Donc elle a déduit les 500 000. She sent me the 500. Elle m'a envoyé les 500 000. Elle était très contente. Very contente. Sister, I was happy. Soeur, j'étais contente. To me, it was a great thing. Pour moi, c'était grand. Then, this month, at the beginning of this month. Et ce mois, au début de ce mois, she phoned Suzanne, told Suzanne that she sent to me a packet. Elle a téléphoné à Suzanne, ma sœur là, et elle a dit à Suzanne qu'elle m'a envoyé un paquet. So I thought maybe it's a gift from some family member or something. Donc j'ai pensé que peut-être c'était un don venant d'un membre de famille ou je ne sais pas quoi. It was an envelope. C'était plutôt une enveloppe. 800,000. Avec 800,000 venant de ce même locataire. January 250 to October 250. Il a payé de janvier 2015 à octobre 2015. Est-ce que ça, ce n'est pas la main de Dieu? Vous avez laissé gloire à Dieu? Est-ce que je vais juste dire gloire à Dieu? Non. Il y a beaucoup d'actions de grâce là-dedans. Je me suis dit, if this man had gone away with that money, si cet homme était parti avec cet argent, what would have happened? Qu'est-ce qui se serait passé? I took that and said, God. Donc j'ai dit, Seigneur, because the unbeliever would have taken it. Parce que le non-croyant aurait pu partir avec ou pas. Qui ici a une maison et un non-croyant s'est assis dans cette maison, il a habité et il est reparti sans payer. Lève la main. So when they did it, it's good to... Donc quand on vient de donner comme ça, tu manges un peu, mais tu parles beaucoup à Dieu. Right. N'est-ce pas? The kingdom of God became richer. Le royaume de Dieu est devenu plus riche. Ça, c'est très grave. Il dit, c'est devenu pas juste pour qu'il se rende. Si c'est un croyant, pardonne-lui. Laisse-le partir. Même si c'est un non-croyant, pardonne-lui. Il part.
I didn't write that prayer topic. Je n'avais pas écrit ce sujet, but I prayed it. Mais je l'avais prié. I can put it now in my thanksgiving book. Maintenant, je peux mettre ça dans mon cahier d'action de grâce. I cannot go now. Imagine how. When did I pray? I remember during the crusade. Je ne peux pas aller maintenant me mettre à imaginer. Quand est-ce que j'avais prié? Je sais que c'était pendant la croisade de prière. Et la croisade avait commencé le 6 novembre jusqu'au. Je commence à chercher une date. I just to look at this. I remember the prayer topic very well. Je me souviens très bien de ce sujet parce que je l'avais prié. Ok. So the counseling book. You go beyond that. Donc, dans le cahier d'action de grâce, tu vas au-delà de cela. You really pour avoir. Tu déverses vraiment ton cœur. Mais tu veux si. Dans le Seigneur, tu peux même chanter. Pendant que tu remercies le Seigneur. It's a book to help you remember. C'est un cahier qui t'aide à te rappeler. And to build a good and a dynamic relationship. Et à bâtir une bonne relation dynamique avec Dieu. Because all what we do. Parce que tout ce que nous faisons. Impose on ourselves. La discipline que nous nous imposons has one objective, a un seul objectif, that we have a better relationship with God. Que nous ayons une relation meilleure avec le Seigneur. Praise the Lord. Amen. Any other questions about the prayer? Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le cahier de prière? Yes. S'il te plaît, je voudrais encore que tu nous dises exactement. Quels sont les sujets précis qui entrent dans le cahier de prière? Parce que ce que j'ai parcouru là, par exemple, Seigneur, accorde-moi de grandir dans la sainteté, accorde-moi d'être consacré, accorde-moi d'être rempli du Saint-Esprit. J'aurais voulu que tu reviennes un peu là-dessus dans les sujets qui entrent dans le cahier de prière. Merci. I think they would have. Many, pas seulement des cahiers de personnes, people will come, many people come here and say what they put in their own. You included. Beaucoup de personnes viendront ici pour dire ce qu'elles écrivent dans leur cahier. Tu feras partie aussi. It's good that we serve a small group. C'est mieux, c'est bien que nous soyons un petit groupe dont nous aurons le temps. It's one of, I call it one of the UV eliminatoires. Dans tous les cours sur la prière, c'est l'une des choses les plus difficiles. Handling the prayer request. Entretenir le cahier de prière, c'est une idée éliminatoire. Mais c'est très important. But in a general way, mais de façon générale, it's for specific. Topics. Le cahier, ce cahier-là, c'est pour les cahiers, les sujets spécifiques. If your battle in sanctification is with respect to lies telling. Si ta bataille dans le domaine de la sanctification tourne autour de la fausseté, du mensonge, you can say, Lord, deliver me from lies. Tu peux dire, Seigneur, délivre-moi des mensonges. Deliver me from lying to my disciple maker. Délivre-moi de mentir en faisant de disciples. Because you don't like everybody. Parce que tu ne mens pas à tout le monde. Right. N'est-ce pas? You know the person you like. Tu sais à qui tu mens. Then that will be specific. Ça, ce sera spécifique. If you are going to see today, you pray, oh God. Si tu vas le voir aujourd'hui, tu dis, oh Dieu, préserve-moi. Je ne m'arrive pas à mentir. If you like your husband about finances. Si tu mens à ton mari au sujet des finances, then your sanctification is love of money and falsehood. Et là, donc ton besoin dans la sanctification, c'est un problème d'amour de l'argent et de fausseté. Because sanctification is very large. Parce que la sanctification est très large. We look into it. It's one of the things I want to do during this course. Nous allons y revenir. C'est l'une des choses que nous allons faire pendant ce cours. Praise the Lord. Amen. Okay. So, if they look at their books and they tell you that either the quality or the handling is not correct, you just buy and buy. Si après examen, on te dit que ton cahier n'est pas correct, soit dans la forme ou bien la qualité, tu vas juste devoir acheter un autre.
Could some people pray? Que quelques personnes prient. Father, we pray, pleading with you, Lord, that having received clear instructions concerning the wellness of prayer and fasting, that you help us to watch over ourselves, to watch over the institution, and to watch over the brethren, so that the burdens of your heart in giving us this institution be accomplished, O God. We plead, O God, that you strengthen our inner resolve to be loyal to what we received, so it is kept, maintained, and transmitted. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Donc même dans une salle de conférence, effectivement, tu dois être correct au bon endroit, faisant la bonne chose. So even in an international context of a worldly nature, it's not, it was not Christian. C'était pour la recherche, c'était pour chrétien. Scientific research, if you are et walking si alone. Et si elle s'était assise là, si elle s'était pas assise là, on ne sait pas ce qui se serait passé. She was sitting there, we don't know whether. Ou si elle s'était assise là et n'avait pas évangélisé. She had sat there and started to about the things of the world. Si elle avait parlé plutôt des choses du monde. You are important. Tu es important. You are a key person. Tu es une personne clé. That God will use to open the door. Tu es une clé que Dieu va utiliser pour ouvrir une porte. If your all is given to you. Si ton tout lui est donné. So, God has blessed us. Donc Dieu nous a bénis avec une petite église au Cambodge. Que 5 personnes remercient le Seigneur. 7 personnes. Père, nous te bénissons et nous te rendons d'abondantes actions de grâce, Seigneur, pour cette porte que tu nous as ouverte au Cambodge. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 We have some national missionaries in Cuba. Nous avons des missionnaires nationaux au Cuba. And last month, et le mois dernier, they baptized 16 people. Ils ont baptisé 16 personnes. Let's clap. Applaudissons. La jeune église au Cuba qui est en train de grandir et les missionnaires nationaux et leur œuvre. Si Dieu est en train d'exaucer tes prières ou pas. Okay.
très impliqué. Sois très impliqué. Who wants to tell us what God is doing in this part of the world? Qui veut nous dire ce que Dieu est en train de faire de là où il se trouve? Okay. Brother just came with his team. They had a tour of the West African nations. Le frère de l'homme venait de rentrer d'une tournée dans les pays d'Afrique de l'Ouest. They were in Togo. Ils étaient au Togo, Ghana, au Ghana, Sierra Leone, Liberia, Liberia. Benin. Who prayed for it? Qui a prié pour cela? Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vous avez reçu. Qui n'a pas vu ces sujets de prière? Évidemment, si tu n'es pas allé à la réunion ou si tu étais en voyage, yeah. Tu ne vas pas. It was good. Mais c'était bien. L'une des choses qui m'ont touché, c'était le témoignage about a spiritual gift that God gave. Au sujet de deux choses m'ont touché. A brother preached in Togo. Le frère Zach avait prêché au Togo. Last time he visited. La dernière fois qu'il avait visité. Was a young missionary inside. Il y avait un jeune missionnaire national à l'intérieur. Ils étaient 20 qui dirigeaient. Ce jeune missionnaire national dirigeait 20 personnes. Et le frère Zach avait prêché, demandant que, disant que les frères devaient augmenter leurs effectifs, qu'il fallait travailler, évangéliser et grandir en nombre. Ce frère a cru ce message. Il a continué à écouter ce message et à travailler. Ils sont plus de 700 maintenant que ce frère la dirige dans les églises. La foi a conduit à l'action et Dieu a béni les efforts. Et un autre frère, on va appeler ça le don de détective. He detected three thieves. Il a détecté trois voleurs. Quelqu'un qui avait de passer, il l'appelle et il lui dit juste comme ça, sans preuve, c'est toi qui as volé ici. And took them out to the commissariat. Et là, il a amené la première personne au commissariat, la deuxième et la troisième, dans trois incidents différents. Et ça s'est avéré vrai. Il piquait juste comme ça. Une fois, c'est même quelqu'un qui passait à moto. C'est un don spirituel. So now the commissaire in that place. Donc le commissaire là-bas, il le regarde, il veut déjà le prendre pour qu'il aide à détecter les voleurs dans la ville. It's not his call. Alors que ce n'est pas ça son appel. Mais ça c'est la main de Dieu au milieu de nous. Il y a eu d'autres témoignages. Mais les frères ont été grandement encouragés. Ils ont vu Dieu à l'œuvre parmi les frères. Parfois, quand Dieu travaille, on pense juste que c'est normal. Vous, là-bas, remerciez le Seigneur d'avoir aidé le frère Zahel. Le frère Théodore a planifié cette mission. Thank God for having taken them there, each nation was visited when their minister and came back safe. Oui, si priez pour remercier le Seigneur parce que chaque nation a été visitée comme prévu. Les frères, le frère Théodore et son équipe sont arrivés, ils ont rendu ministère et les frères ont été bénis. For the impact of the ministry. Oui, si remerciez le Seigneur pour l'impact de ce ministère sur les frères dans les différentes nations. Et vous là-bas. Thank the Lord for the impact of the ministry on the Theodore and each member of his team. Remerciez le Seigneur pour l'impact du ministère sur le frère Théodore et chacun des membres de son équipe. Because when you're ministering, God always ministers you. Parce que pendant que tu es en train de rendre ministère, Dieu aussi te rend souvent ministère. Let's stop and thank the Lord. Devons-nous et remercions le Seigneur. Concernant les finances, God has really helped us. Dieu nous a véritablement aidés. Après le départ du frère Zach, certaines églises qui contribuaient lourdement avaient arrêté leur contribution. Dès que le frère Zach était parti, c'était la fin. Il y
Cependant, nous continuons, les missionnaires étaient toujours dans les champs. Mais Dieu nous a aidés. So that now, de sorte que maintenant, depuis l'année dernière, les missionnaires qui sont sous allocation, ce n'est pas tous les missionnaires qui sont sous allocation. Leurs allocations sont à jour dans le paiement. Alors que en 2012-2013, si à la fin, vers la fin du mois de juin, on pouvait achever les allocations dues au mois de mai, on était très content. Mais maintenant, nous sommes à jour. À la fin du mois, généralement, vers le 15 du mois, on a déjà fini de payer toutes les allocations des missionnaires internationaux qui sont dues. Et à la fin du mois, on finit les missionnaires nationaux. Et certains membres du staff ont une allocation, d'autres n'en ont pas. Aussi bien le staff qui est ici sur place à Goumé et le staff qui est à Yaoundé. Ceux qui sont sous allocation, leurs allocations sont payées à temps. C'est la main de Dieu qui fait que nous continuons à donner les allocations aux missionnaires internationaux, aux missionnaires nationaux, aux personnels du ministère, ceux qui sont sous allocation. Que 10 personnes remercient le Seigneur pour cela, parce qu'il est la source de notre ministère. Mais la plus grande chose, c'est que les gens sont en train de recevoir le ministère. Et il y a le ministère spirituel. You come there for those who have the spiritual problems. Et dans notre clinique ici, il n'y a pas seulement le ministère rendu à la chair, c'est-à-dire la medical clinic, comme ils appellent, c'est-à-dire qui s'occupe de l'aspect purement médical. Et en plus de ça, il y a l'aspect spirituel qui est géré par des gens comme le frère aîné, la sœur au clinique, il y a la holistic clinique. Maintenant, il y a ce qui se déplace là, c'est encore quoi? La mobile home clinique. Il y a tous ces aspects-là. In each of these things, et dans tous ces aspects, c'est des gens qui ont mis leur tête, leur cœur, leur argent, leur éducation, tout, même leur santé, même leur vie, tout. They are not looking for anything. They just they know God wants this thing done. Ils savent juste où stop. Dieu veut que cette chose soit faite. Nous devons la faire. Oui. Everything. Et ils y mettent tout. And God comes in. Et Dieu vient. Many people have received treatment. Beaucoup de personnes ont reçu des traitements là-bas. Miraculous healing. Il y a même eu des guérisons miraculeuses là-bas. Spiritual doctors and les médecins spirituels et les médecins. When you go to a hospital, they hand your spiritual, they pray for you. Tu arrives dans un hôpital. And people pray for you, then they come for evaluation, and then they give you medical attention. Entre des personnes qui sont pointes de prie pour toi et te rend ministère. Même leur discernement, ce qu'ils te donnent, il y a la main de Dieu sur ça. Remercie le Seigneur pour l'équipe de la de la Hope Clinique. Remercie le Seigneur et les frères aiment aller là-bas quand ils sont malades. Oui, ici, étaient hospitalisés à Hope Clinic. Et puis les frères viennent avec la nourriture. Et donc tu s'occupes de. Ça va mieux. Alléluia. En fait, they are praying for me. They give them everything. They are taking good care. On s'occupe bien de là-bas. It's very simple. C'est très simple, but there is love. Mais il y a l'amour, il y a l'encouragement, et ça guérit. Merci le Seigneur pour les soins que les gens reçoivent à Hope Clinic.
Oui, remercier le Seigneur pour ceux qui ont été guéris surnaturellement juste par la prière. Thank the Lord for this mobile. Et vous remerciez le Seigneur pour la mobile home clinic qui se déplace dans les villages, dans les quartiers. And they are planning a big campaign. Ils sont en train de planifier une grande campagne en éducation. L'année dernière, ils ont fait des examens, un cardiologue, un neurologue, un gynécologue. People with very clever heads, but with big brains. Des gens qui ont la tête très froide, mais qui ont des cerveaux gros comme ça. Very spiritual. Très spirituel. Rendons ministère là-bas. Donc remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Dieu. Praise the Lord. Le frère Théodore a aussi rendu témoignage. Quand il est revenu dernièrement de sa mission en Afrique de l'Ouest, au Bénin, il y a 82 frères que le frère Bossou lui a donné comme candidat missionnaire sur place. Et un compte a été ouvert pour commencer à. We cannot stop. Frère, nous ne pouvons pas dormir. Et tout notre corps se le royaume de Dieu est forcé. Et seuls les violences n'en ont pas. Remercions le Seigneur. Pour des gens qui veulent servir le Seigneur. Remercions le Seigneur ensemble.